Bienvenue en bord de Seine, au pied de la maison de la pêche et de la nature. On va essayer de voir maintenant les types de lancers. Le premier, il faut toujours commencer par là, c'est ce qu'on appelle le lancer pendulaire. Ce qu'il faut faire, c'est comme une pendule, votre leurre doit venir vers vous, partir vers l'eau, revenir vers vous. Et quand il va donc de vers vous jusque dans l'eau, on le lâche en mettant un léger coup de poignet. Ça donne ça. Ça, c'est le premier lancer. Maintenant, on va faire le lancer coup droit. Donc, comme son nom l'indique, comme au tennis, un coup droit. Donc là, on prend environ 30 cm entre le leurre et le bout de la canne. On ouvre son pick-up. Je me mets de côté. Moi, je reste normal. Je ne me mets pas comme ça. Je reste comme ça. Je regarde où je veux lancer. Je regarde derrière moi. Et je fais le mouvement coup droit. Donc moi je suis gaucher, donc je le fais avec ma main gauche, mais rien n'empêche pour les droitiers de se le faire la main droite, on est d'accord. Donc là ça serait comme ça. Ça c'est le coup droit pour les droitiers. On tient son fil et son moulinet de la main droite quand on est droitier. Inversement pour les gauchers, main gauche. Maintenant on va faire le revers, donc pareil, hein. Je vais le faire avec la main gauche. On ramène la canne vers soi, on regarde où on veut lancer, on regarde derrière soi et on lance. Maintenant on va faire le lancer derrière la tête. C'est un lancer qu'on pratique plus quand on pêche la carpe ou quand on va pêcher pour pêcher opposé. Moi je la pratique jamais quand je pêche au leurre, mais je vais quand même vous la montrer, on sait jamais. Ça fait beaucoup plus de bruit, le leurre arrive de beaucoup plus haut. Ça fait beaucoup plus de bruit quand ça tombe dans l'eau et c'est pas forcément adapté. On regarde derrière soi, met sa canne derrière et on lance. Et on lance.